Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'idéo sur cette chaîne. Si j'en sors pas d'ici à ce que cette vidéo la sorte, mais. A priori, non. Peut-être Among Us. Peut-être Airship sur Among Us. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur The Binding of Isaac Repentance. Enfin! Enfin ce jeu est là! Donc, le. Ce qui semble être pour de vrai cette fois-ci, le tout dernier DLC de Isaac, de Binding of Isaac, la version 1.9 comme l'a plus ou moins suggéré Edmund Macmillan. Donc voilà, ça y est, ça vient de sortir. Alors, évidemment, toujours l'hésitation. J'avais fait une série sur Isaac il y a très longtemps. C'était sur cette sauvegarde-là, je crois. Vous n'avez pas vu toutes les vidéos. Parce qu'on a eu beaucoup trop. Et qu'il y a eu un moment donné où j'avais trop de retard. Mais en réalité, bon, on avait fait un certain nombre de trucs, quoi. Et genre, on avait fait tous les challenges aussi. Donc ça, d'un côté, je suis tenté de reprendre sur cette sauvegarde en me disant, ouais, bon, c'était notre sauvegarde et tout. Et en même temps, le let's play, il était en 2017 ou 2018. Ça fait un moment. Donc, est-ce que je fais pas mon connard? Attendez, le son est trop fort pour moi, au secours. Est-ce que je fais pas mon connard et est-ce que, finalement, on se dirait pas, tiens, on refait une nouvelle partie? Je sais pas. J'avoue que je suis tenté quand même. J'avoue que je suis tenté, ce qui veut dire par contre qu'on ne verra pas les nouveautés de Repentance avant un moment. À part si... On peut faire le challenge direct. Il y a un nouveau challenge, on peut le faire direct. Mais bon, en même temps, vu que vous n'aviez pas tout vu dans les précédentes vidéos d'Isaac et que ça s'était arrêté avant le déblocage de The Lost, si je dis pas de conneries,
Je me dis, tiens, pourquoi pas, voilà, refaire depuis le début, découvrir un petit peu, petit à petit, toutes les nouveautés, parce que, je vais pouvoir vous montrer quand même ça rapidement, il y a pas mal de nouveautés, a priori. Non, c'est pas là. Enfin, si, il y a des nouveaux trucs, je crois. On verra. Si j'ai mis ça, j'ai mis l'extra dans mini, peut-être que je vais le regretter. Non, c'était stats. Voilà, stats, il y a des nouveaux items. Quelques nouveaux items. Deux nouvelles fins, a priori, parce que je crois pas que la 21 il y était à la base. Bon, des secrets, je sais plus combien il y en avait de base, mais voilà. Mais surtout le bestiaire. Il doit y avoir des mobs que j'avais pas vu dans ma run de base. Mais bon, par exemple, à partir de là, ça c'est des boss. Il y a beaucoup de pages. Donc bon, je pense qu'on va bien s'amuser. Ça fait une éternité que j'ai pas joué à Isaac. Genre vraiment longtemps. La dernière fois que j'avais joué en plus, c'était sur la Switch, donc c'était avec une commande manette. Là, je rejoue au clavier. On va se mettre en hard parce qu'il faut pas déconner. Et on est parti. Let's go. Alors, j'ai aucune idée de comment va être le format. Hein. Je vous préfère vous prévenir à l'avance. D'ailleurs. Ok. Il est où mon timer? Voilà. Pourquoi j'ai pas le timer de... Non mais, déplace-toi. D'accord. Le ZQSD. Hein. Ok. Aïe 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 aïe. Comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps. Voilà. Ça va très certainement se faire ressentir dans le gameplay. Bon. Dans l'absence de skill au début. Bon, tout le temps en fait même. Mais ok. Ok. Ah. Attendez, non mais il y a un problème au niveau de la balance sonore là, non? Pourquoi j'entends les SFX si bas? C'est ouf. Bon. De toute façon, pour l'instant, on va pas tenter de boss rush, hein. On avance tranquillement. On sera habitué au jeu. Bon après, si on peut escroquer des trucs, on va essayer d'escroquer, hein, mais... Ouais. Ah ! Trop marrant. D'accord, donc les shops ont une gueule de shop maintenant. Stylé. Ah oui, par contre. Oh putain, j'avais oublié ça. Comment ça, ils vendent des sacs? Depuis quand ils vendent des sacs? Et j'ai pas fait gaffe, mais les icônes, du coup, sur le côté, ont changé. Non, mais laisse tomber. Enfin, je pourrais mettre ma pièce dans la machine de don, mais... Oh non, pas eux. Mais quoi? Il m'a ajusté, mais d'une violence. Bon, c'est le premier étage, on a le droit de se faire toucher, mais... je vous avoue que ça m'inquiète, hein. Je vous avoue que ça m'inquiète un peu, hein. Normalement, on n'est pas trop censé se faire toucher à ce stade-là du jeu. Bah ouais, non, mais... Au secours. Mais leur animation a changé aussi à eux, là. Ils sont beaucoup plus sanglants. Trop marrant. Par contre, j'ai pas eu d'objet. Non, non, attendez. Hein. Mon objet. Parce que bon... pas que ça se passe pas bien. Ça pourrait mieux se passer que ça, quoi, disons. Bah oui. Mais du coup, les flammes rouges, c'est bien celles qui lancent... Le jeu est généreux. Il me redonne un cœur. J'ai le droit d'y croire un peu. Ah, on va prendre notre temps. On va prendre notre temps. Alors, je pense qu'il y aura du montage sur cette vidéo-là. En l'occurrence. Je vais pas vous garantir qu'il y aura du montage sur toutes les vidéos à Isaac. Néanmoins.
Ah non, mais attendez, ça c'est bien. Ouais, c'était Kix. Ouais, voilà. Ah oui, non, mais c'est bien. Hein ? Ok, faut que ce soit à partir d'un quart au moins. Même le bruit a changé aussi. Trop bien. On va pas récupérer cette clé là. Bon bah très bien, on est bien là d'un coup. On est un peu mieux, en tout cas. Bien, c'est... Enfin, même les bombes. Même les bombes ont changé. On va attendre du coup pour le cœur. J'ai pas de cœur bleu. Ça me gêne un peu. Mais bon. Oh, j'aurais pu quand même... j'aurais pu laisser l'introduction du boss, mais non. Je vous déteste, vous. Vous voulez pas mourir? Non mais sans que ça se passe quoi. Oh la tétine. Ok. Ok ok. Ok. Alors. Elle est là la secrète? Non elle peut pas être là. Non elle doit être genre là ou en dessous. Ça se prend ça hein. Ah oui tiens alors attendez. Parce que là on a le mini HUD. Si je le mets en normal. Ah oui d'accord. Ah non mais c'est... Enfin en vrai c'est bien comme ça. Ça prend pas trop de place. On voit les items quand même. Je sais pas. Moi ça me va en vrai. Du coup la tétine. Qui me donne un cœur bleu. Bon, il faut que je m'habitue avec le rythme du Tech-X, mais le Tech-X c'est pas mauvais comme objet, donc c'est bien. Oh, pas le... non, pas la maze, non, non, non. Gigante Tébine, méga fart, ok. Si tu veux. Ouais, le bruit des pots aussi a changé. C'est marrant. Plein de trucs, tout plein de détails qui ont changé dans le jeu. C'est sympa. Du coup, ce qui fait que je regarde de moins en moins de redécouvrir comme ça. Même si... non, les bombes. Bombes. Ça me donne des bombes, ça. Si je me rappelle bien. Oh, les items, hein. Les items, c'est toujours pareil. Hein. Ceux qui sont craqués, je pense que... Je m'en rappelle à peu près. Puis il y a les autres quoi. Non mais tu veux pas tire. Toujours pas de bombe. Ça demande. Ouais, ça demande deux clés. C'est un 2. Oh le 2, je sais plus ce que c'est. Attendez, le. Je crois que c'est le 1 qui reroll la pièce. Le 6 ça reroll tout. Le 4 ça reroll les ennemis. Donc le 2 ça doit être les stats ou un truc comme ça. Mais je suis pas sûr de vouloir du coup. Pas sûr d'être intéressé. Ah non mais en fait. Ouais d'accord leur bullet drop il est vénère. Ça va? Ouais c'est bien mangé en pièces hein. Je voulais vérifier. Connard j'ai pas de... Tiens, cadeau, je te recharge ton objet. Oh, t'as pas d'objet, mais c'est pas grave. Très bien. Oh, une bombe. Ouais. Le fan compulsif. Le fan obsessionnel qui te suit partout dans tes moindres mouvements. Yes. Ouais, je l'ai mal placé. Mais bon. Mais bon, c'est pas grave. Voilà.
Après, j'ai 5 clés, hein. Ouais. Pas sûr que ce soit rentable quand même. Après, on ira peut-être au shop, ceci dit. Oh bah, salut. Toi, normalement, t'es gratuit. Gratuit, gratuit, on a dit. Monstre stouff. Ouais. Alors, attends, y'a quoi là-dedans? Ah. Bah, j'ai envie de prendre les deux en fait. Mais du coup, est-ce que je prends ça? Bah, à la limite, je peux prendre ça. Ah, bah, bon, on va encore. Il y aura du montage sur cette vidéo. On va arnaquer pendant des heures là. Parce que là. Là, je peux faire ça. Voilà. Là, ensuite, je fais ça. Oh, le cœur bleu. Hop là, et Lazarus de débloqué. Ça, c'est beau. Là, on met l'argent. La blue map. Oui, bon. Et le store niveau 1. Voilà, ça, c'est beau. Au moins, la run n'aura pas servi à rien. On aura débloqué des trucs. Ensuite. Est-ce que c'est pas fini? On continue, en vrai, hein. On bourre la machine. Bon, j'ai... Après, le cœur est loin. Après, le cœur est loin. Non, c'est bon. C'est bon. On va arrêter les conneries. Par contre, je suis à combien de temps? Bon, ouais. Qu'est-ce que c'est que c'est... C'est marrant, ces cailloux. C'est juste des cailloux d'équerre? C'est marrant. Ah, ça donne envie, en vrai, hein. Allez. Oh, la musique a changé un peu, j'ai l'impression. Ouais, non mais ça me sert à rien. En fait, le problème c'est que j'ai peur que ça me diminue mais les drops d'autres objets que les bombes. Les petits bruits. Ah, attendez, y a pas des rochers. Il doit y avoir des rochers marqués comme ça, du coup. Y'a pas de petite croix là. Va falloir être parano maintenant. Waouh. Non, mais y'a des nouveaux trucs là. C'est quoi ça? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est censé représenter quelque chose? Non, ouais, on sent qu'effectivement y'a eu du boulot sur ce. Sur ce DLC. Et qu'il y a eu énormément de choses qui ont été retravaillées. Comme ça avait été dit en fait initialement. Dans les posts. Qui sont sortis au sujet du jeu. Pourquoi je suis allé là? Pour donner mon argent. Ça va être sûrement pour donner mon argent. Filichi, on invoque des. Hein? Pourquoi j'ai perdu des stats? Comment ça j'ai. Quoi? Quand est-ce que j'ai gagné des cœurs? Non. Je suis deg. Ceci dit, on aura un Devil Deal. Il y a un timing déjà pour ça? Je m'en rappelle jamais. Pas clair le timing, hein. D'accord. Non mais ok. Ça me va, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me va, hein. Il est où le boss? Oh non, c'est des araignées, c'est pas des mouches que j'invoque. J'ai oublié. Non. Non, jeu d'argent. Attendez.
faut que je revienne en arrière. Faut que j'aille faire un truc. Non, pas du tout. Je sais pas, en fait, j'ai cru vite fait qu'il était marqué. Qu'il y avait une croix dessus. Mais ça a l'air d'être juste... juste la façon dont le rocher est fait. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a trois rochers marqués, quoi. Donc, bon... Ouais, voilà. Ça paraissait étonnant. Ok, let's go le boss. Ouais, je suis allé serein. Hein. Salut. T'aimes bien mes tirs perçants ? Ah oui, en fonction des pièces, du coup, ça fait un bruit différent. Bon bah... Hein ? Ça coûte directement des cœurs bleus. C'est nouveau, ça. Ah, on peut plus l'arnaquer ? Comment ça se passe ? Je crois qu'on peut plus l'arnaquer. J'ai l'impression qu'on peut plus l'arnaquer. Saloperie. Alors attendez, on va profiter d'être un fantôme. Voilà. C'était worst. Ouais, on a peut-être d'autres trucs à récupérer du coup. Profitons. Comme j'ai dit, on ne vise pas le boss rush, donc... dans les faits, on est quand même bien. Ah oui, non, d'accord, ça m'indique juste que... C'est quoi, c'est la machine dedans que ça m'indique ? J'ai envie de tout donner, hein. Jusqu'à ce que la machine elle puisse plus rien prendre, je donne tout, hein. Various options. Mais elle se bloque plus ? Peut-être qu'elle se bloque plus, la machine, hein. Si c'est le cas, c'est bien. Oh non, 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 pas vous, non. Pas ça. Voilà, fais cette attaque. Elle est bien cette attaque. Ok. Bah très bien. En fait, c'est vrai que j'aurais pu l'escroquer avec tous les cœurs que j'avais à disposition, le mendiant, vu que j'ai... mince. La tête là. Godhead. Avec Godhead, c'est vrai que j'ai la salle du démon qui est ouverte à l'infini. J'oublie. On débloque Samson. Bon voilà, on débloque plein de persos. C'est bien. Parfait. Hein ? Hein ? C'est quoi ce rocher là ? Bah oui, bien sûr, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Attendez, lui, il est quoi ? C'est un pognon ? C'est un pognon ? On sait pas. En tout cas, non, c'est stylé parce que... Oula ! On voit des nouveautés, vraiment, ouais, on n'a pas besoin d'aller dans Repentance pour... Enfin, dans les nouvelles zones, pour voir des nouveautés, quoi. Ça c'est cool. Dash dash to the boss. Dash dash to the boss. Coucou. Lil Chubby est apparu dans le basement. Spelunker by... Ah oui, on s'est pas fait toucher. Télékinésis. Eh ben, qu'est-ce que c'est ça? Perfection. Luck voyable. Wouah! Plus 10 en luck. Allez. Oh, il écrit PhD. Face PhD. Warspeel. Evil Up, je crois. Oh merde. Ah yes.
Mais au moins, elle les connaît. Heureusement qu'on a plus 10 en luck. Merde. Bon. Ah bah, il est bien ce système là, en tout cas. Un vrai plaisir. Hein? C'est quoi ce cœur? Pourquoi il clignotait comme ça? Ah oui, hop. Ouais. C'est normal que les cœurs ils clignotent comme ça? C'est moi qui depuis le début m'en rends pas compte? Non mais putain, mais les pilules quoi. Au moins on les connaît, hein, ceci dit. Donc c'est vrai qu'on a des pires pilules, mais qu'on connaît. C'est moi qui ai pas fait gaffe depuis le début à cette animation là ou... Allez boum. Ah ça part... Les soldes sur les soldes là. Morsax. Vas-y. Toujours pas bloqué, hein. Toujours pas bloqué la machine. Moi j'accepte. Ah oui. Ah mais on a pas d'item. Toujours pas, hein. Bah très bien. Bon, ça on le prend en mode salut, voilà. Attendez, à la limite on va faire ça, ça. Et là on fuit, on prie. Je n'aurais pas dû faire ça en vrai. Hein. Mais tout va bien. 60, 61, 62, 63. Non mais c'est bien, ça se remplit au moins. Si ça se bloque pas. C'est parfait. Ok, on est remboursé. Ah mais là en fait, ouais, on a la Guppy's Tale qui nous donne plein de coffres. Mais on a toujours des clés. Donc, tout va bien. Ouais, le mendiant en bon par contre... Ah, je peux prendre le deuxième objet là. Ah, j'ai droit aux deux. Yes. Bon. On va prendre le deuxième objet qu'on connaît pas, hein, du coup. On va en profiter. Ah, c'est la nouvelle gueule de la batterie. Ah non, c'est une petite batterie. Ah yes. C'est cool. Quoi? D'accord. Donc mon plus 10 en luck durait le temps que je me fasse toucher, quoi. Bon, moi on sait maintenant. On va prendre nos piercing shots de merde là. Qu'est-ce que c'est que ça? Blood off. J'ai pas eu le temps de lire la suite du coup, ok. Est-ce qu'il y a des nouveaux rêves? Oh, celui-là non. C'est pas nouveau. Oh, les devs. Les profondeurs. Ouais, 22 minutes, on oublie toute potentialité de boss rush. Les mains de maman. Une chanson douce. Non, pas eux. Ah, ils sont plus dodus maintenant. Ils sont encore un peu plus potelés.
coup. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? On a des items que je connais pas, mais on verra bien. En fait, après, j'ai un doute sur celui-là. Quoi? Mais saloperie! Pas sympa, ça. Hein. Ouais. Bon, le cœur, on va attendre. Yes. Là-haut? Bah non, là-haut, non. Mais c'est insupportable! Ces ennemis qui explosent, là. Je les déteste. Je les déteste tous. Arrêtez de vous disperser. Ouais, ouais, non, mais... Au pire, gardons les piercing shots qui me servent à rien. Donc des items qui vont juste m'emmerder. Quoi? Mais non, mais... Pourquoi est-ce que tout explose en larmes? C'est un des items que j'ai pris, ça, encore. En fait. Mais le truc, c'est que... Je me les prends, moi, ces larmes de mort? Est-ce qu'ils ont vraiment rajouté des items pour rendre le jeu plus compliqué? J'ai l'impression. Hein. Décidément. Eh ben, let's go. Voilà. Toujours pas de limite, hein. Toujours pas de limite. Oh, t'es quoi, ça? T'es quoi, toi? Parce que Antibird, j'y avais joué il y a longtemps. Donc, donc moi, je sais pas, hein. Ah, là, elle a changé de tête. Elle invoque. Elle fait pas qu'invoquer. Saloperie. Je te déteste. Ah! Ah bah oui, bien sûr. J'allais t'en parler. T'es sérieuse? Mais putain! Super. Un HP up. Nice. J'ai peur. C'est quoi ça? Formi. Spooky. Tout spooky formi. Ok. Bah très bien. Oh, ce boss, j'ai pas aimé, hein. J'ai pas aimé ce boss. Il était un peu... c'est quoi le terme? Connard. Oppressant. Il était un peu oppressant, ce boss. C'était là. Alors là, évidemment, je suis tout lent et tout faible. Mais putain, mais non, mais... Bon, voilà, bookworm. Bookworm, Book of Belial, on est content. Ah, mais on y est là, en fait. C'est bon, c'est fini le plaisir. Pourquoi je suis à 0% de Devil Deal? Parce que c'est l'étage de maman. Comment j'arnaque d'ailleurs si je veux passer autre part?
pas vraiment moyen sans pelle en fait, je crois. Ou si un raccourci qui me permettrait d'aller en dessous. Une super secret ou un truc comme ça. C'est possible. Ça existe. Ah, en fait, les ennemis que je touche au contact, ils ont peur, c'est ça. C'est ça le spooky. Ah non, mais il y a un truc là-bas. Ouais. Le Dead Bird. Et le parasite. Non mais voilà, au moins on aura quand même débloqué des petits trucs. Ou que des trucs qu'on connaît. Même si on aurait eu des objets aussi qu'on connaissait pas. Par contre, on n'a pas encore gagné. Hein. En vrai. Non, je crois que ça me touche pas. J'en sais rien. Ah, saloperie ! Ah, petit bâtard ! Il se laisse pas faire, lui. Tiens, je te donne une bombe. Je suis gentil, t'as vu ? Non, mais me donne pas un cœur, connard. Tu me gaves. Tu m'as gavé. Ah, et là, il y a une bombe là-dedans. Trop marrant. Range down, non mais c'est bon. Ok. Bon, Joker. Ah, Joker, si. Si, si, Joker, si, bien sûr. Même si, ouais, de préférence, on aimerait bien avoir un cœur pour le Joker. Chose que je n'ai pas. Surtout qu'il y a... Il y a moyen qu'on se Krampus. Krampus, je crois pas que ce soit un truc qu'on débloque, hein. Je crois qu'il est là de base en mode salut. Hein. It's a prank, bro. Je vais me faire avoir par cette merde. Hein. Non, c'est bon. Pourquoi je peux pas y aller? Hein? Oui, d'accord. Pourquoi j'ai pas le droit d'y aller dans celle-là? Pourtant, normalement, je remplis les conditions. Alors j'allais dire on s'en fout, mais non, il y a ça. Voilà. C'est bon, on a feinté. Ah, le boss est donc de l'autre côté encore. Donc allons de l'autre côté. Donc ouais, effectivement, c'est bien des rochers avec des pics. Saloperie de jeu. Saloperie, quoi. Hein ? Ah, mais c'est con d'avoir autant de pièces. Il va vraiment falloir que j'aille chez le marchand, en fait. Même si j'ai pas envie. Ok. Ah non, c'est une aura autour de moi qui fait peur. Pas besoin de les toucher directement. Ça, c'est cool. Yes. Non mais ça on connaît. Putain mais je me le reprends en plus hein. Je le vois, je monte, mais je monte pas assez. C'est incroyable. C'est quand même incroyable. School bag. Nickel. Bon j'ai qu'un ami, mais c'est pas grave. Il sera quand même plus puissant. C'est bon, c'est passé. Ah ouais, non, mais j'ai un 62 speed. Donc ça va, ça y est.
Je peux un peu dash dash. Alors attention, on sait qu'il y a des rochers quelque part. Ils sont là, je crois, ouais. C'est bon. C'est bon, au bout de deux coups, j'ai retenu. Yes. Coucou maman. Je fais n'importe quoi. Au secours. Je panique. Je panique alors que tout va bien. Tout se passe bien. Attendez. C'est quoi cette portée ? Isaac was cornered. His mother, fueled with the desire to serve her god, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else. Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Tintintin. Et ben voilà. Ouais. Allez, on va laisser les crédits pour cette première game, cette première victoire. Incroyable. Bon. On aura fait une run vanilla, mais on aura débloqué pas mal de persos, je crois. On a débloqué Azazel, on a débloqué Eve. Je crois pas qu'on ait débloqué Eve. On n'a pas débloqué Eve, on n'a pas débloqué Kane. On a débloqué Lazarus. Bon voilà. On a débloqué quelques persos quoi. Donc bon. Et on débloque The Womb. On débloque The Womb déjà ? Non, peut-être, oui, non, peut-être. Et tout un tas de challenges, oui, 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 oui. Ah, les Avengers, ok. Et Cube of Meat. Incroyable. Ouais, Samson, Azazel, Lazarus. Sachant que si on arrive à gagner avec Lazarus, sans perdre une vie. Ce qui est faisable, on débloque Bethany. Et Bethany, c'est un perso qu'on connaît pas. Donc finalement, peut-être que la prochaine fois, on essaiera de faire... Ah ouais, c'est ça qu'il faut faire pour Eve. Oh là là. Donc ouais, peut-être que la prochaine fois, on tentera ça. Histoire de débloquer Bethany. Bah, pourquoi pas. Hein, voilà. Donc bon, sur ce, moi j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour toujours plus de contenu sur Isaac Repentance. Je pense qu'il risque d'y en avoir un petit peu sur la chaîne. Voilà, c'est possible. Disons que c'est possible qu'il y en ait un petit peu sur la chaîne, là, parce que je risque un petit peu de saigner le jeu, parce que ça fait trop plaisir de revenir sur Isaac, de découvrir un petit peu les nouveautés, et voilà, et de débloquer un petit peu tout ça, sachant qu'en plus, du coup, bon, oui, ça ajoute des nouvelles zones, ça ajoute des nouveaux ennemis, des nouveaux boss, mais c'est aussi une refonte un petit peu du jeu, une restructuration un petit peu du jeu, de la même manière un petit peu qu'on a eu le Isaac Vanilla et le Isaac Rebirth, quelque part. Donc on a quand même pas mal de petits trucs qui ont été remodifiés, notamment genre t'as les ennemis, les têtes là, qui tirent plus du tout de la même façon, dont leurs tirs sont beaucoup plus rapides. Je pense que voilà, t'as tout un tas de petites propriétés, t'as le nouveau boss là, le boss araignée, qui est un enfer. Enfin voilà. Donc bon... J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour la suite. Portez-vous bien. Bye bye.